Je suis à vous. I'm yours. Ça y est. This is it. Je veux faire ça. I want to do this. Moi je veux ça. I want that. Je veux tout. I want everything. Tout est à moi. It's all mine. Je te veux. I want you. Vous y êtes. There you are. Je veux être avec vous. I want to be with you. Tu as fait ça. You did that. Vous avez fait ça. You did that. Ils sont avec moi. They're with me. Tu es tout pour moi. You are everything to me. Elle est tout pour lui. She is everything to him. Tu peux le faire. You can make it. Je veux du temps. I want time. Tout est dans les temps. Everything is on schedule. Elle m'a tout dit. She told me everything. Il ne l'a pas dit. He did not say so. Vous avez fait cela. You did that. Je pense à vous. I'm thinking about you. Qui est ici avec vous? Who's here with you? Comment est le temps? How is the weather? Je sais où ils sont. I know where they are. Qui est ici avec toi? Who's here with you? Je ne sais pas vraiment. I don't know for certain. Pourquoi ils ont fait ça? Why did they do that? Nous avons fait cela. We did that. Elle lui dit quelque chose. She said something to him. Tu peux tout me dire. You can tell me anything. Pourquoi elles ont fait ça? Why did they do that? Nous y avons tous été. We've all been there. a été très bien. That was very good. Je veux le faire bien. I want to make it right. On ne dit plus ça. We don't say that anymore. Elle m'a dit où aller. She told me where to go. Je pense avoir bien fait. I think I've done well. Elles ont besoin de lui. They need him. Je les aime tous. I like them all. Il nous aime. He loves us. Je pense beaucoup à elle. I think about her a lot. Nous avons beaucoup de temps. We've got plenty of time. Elles sont là pour moi. They're here for me. Nous sommes tous là. We're all here. Tu étais à moi. You were mine. Personne ne peut le dire. No one can say. Il aime parler de lui. He likes to talk about himself. Je peux parler un peu. I can talk for a bit. Tu en sais trop. You know too much. Je veux toujours y aller. I still want to go. Nous sommes toujours là. We're always here. Personne ne peut voir. No one can see. Je ne sais quoi dire. I don't know what to say. Nous avons besoin des deux. We need both. Je vous aime quand même. I love you anyway. Cette personne est comme moi. That person is like me. Je veux voir votre maison. I want to see your house. Où est votre argent? Where is your money? Il y avait quelque chose. There was something. Je ne sais encore rien. I don't know anything yet. Nous sommes encore ici. We're still here. Ma maison est ta maison. My home is your home. Elle a besoin de combien? How much does she need? Tu aimerais ça? You would like it. Tout le monde était là. Everyone was there. Personne ne va faire ça. No one's going to do that. Tout le monde va bien. Everybody is fine. Il faut faire quelque chose. Something has to be done. Il nous faut une voiture. We need a car. A quoi bon faire cela? What's the point in doing that? Je suis bon. I am good. Encore une fois. Once again. Je lui dois quelque argent. I owe him some money. Tu dois y aller. You have to go. Nous aussi nous sommes là. We're here too. Je vous y ai vu. I saw you there. Nous avons vu quelque chose. We saw something. Ceci est rien de plus. This and no more. Vous pouvez avoir les deux. You can have both. Nous avons fait ça hier. We did that yesterday. Je dois aller au travail. I have to go to work. Comment va ton père? How's your father? Tu avais besoin de moi. You needed me. Je vais aller par là. I'll go this way. Je vais maintenant y aller. I'm going to go now. Ma voiture est juste là. My car is right there. Tu avais bon après tout. You were right after all. Je pensais tout avoir. I thought I had everything. Il m'a eu. He tricked me. Je vous ai eu. I've got you. Nous sommes là pour aider. We're here to help. Fais comme on te dit. Do as you're told. Vous pouvez tout aider. You can all help. Fais comme chez toi. Please make yourself at home. Ça nous arrive à toutes. It happens to all of us. Une voiture arrive. There's a car coming. Ça a déjà été fait. It's already been done. Ce livre est très bon. This book is very good. Comme vous voulez. As you like. On peut parler français? Can we speak French? Je me porte bien. I'm ok. Porte ça pour moi. Carry this for me. Porte ce que tu veux. Wear whatever you want. Elles en ont eu assez. They've had enough. juste de ton mieux. just do your best. je vais mieux. i am better. tu fais la bonne chose. you're doing the right thing. je ne puis le dire. i can't say. nous sommes trois. There are 3 of us. Tu devrais aider ton père. You should help your father. Je vais prendre ma voiture. I'm going to take my car. Tout est mieux sans toi. Everything is better without you. On va au demain. Where are we going tomorrow? Elle aime beaucoup son école. She likes her school a lot. Fais un pas en avant. Step forward. Je lui dois la vie. I owe him my life. Nous sommes toujours en vie. We're still alive. Il a dû y aller. He had to go there. Je pensais savoir quoi faire. I thought I knew what to do. Il l'a fait tout seul. He did it himself. Je suis très seul ici. I'm very lonely here. Ils ont maintenant trois enfants. Now they have 3 children. Les enfants sont déjà là. The kids are already here. Tu dois aider ta mère. You must help your mother. Ce fut très bon. That was very good. Tu as une heure. You have one hour. Il était le seul homme. He was the only man. On ne va rien manger. We're not going to eat anything. Je suis tout à toi. I'm all yours. Cela peut être un problème. That can be a problem. Je dois aider ces gens. I must help these people. T'es assez bonne. You're pretty good. Fais simplement ton travail. Just do your job. Bonne nuit tout le monde. Good night everyone. Il fait encore nuit. It's still dark. Où va tout cet argent? Where's all that money going? Il est aussi grand qu'elle. He is as tall as her. Où sont vos enfants? Where are your children? Ça me plaît beaucoup. I like it a lot. Ils ne sont pas mal. They're not bad. Elle a pris son livre. She took her book. Sa voiture a deux ans. Her car is two years old. Demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Ça va prendre quelques heures. That'll take a couple of hours. Quel grand chien. What a big dog. Maintenant veut dire maintenant. Now means now. On veut pas savoir. We don't want to know. Tu aurais dû lui dire. You should have told him. Je me sens assez seule. I feel lonely. Tout ceci a du sang. It all makes sense. Tu sens bon. You smell good. Qui est ta mère? Who helps your mother? Elle peut partir demain. She can leave tomorrow. Tu devrais partir maintenant. You should go now. Qui va parler ce soir Who is going to speak tonight? Je voulais simplement te parler. I just wanted to talk to you. Fais comme je te dis. Do as I tell you. Ce fut une bonne idée. It was a good idea. Il veut toujours venir. He still wants to come. Ce livre est très petit. This book is very small. Nous avons un petit problème. We have a little problem. On veut juste être heureux. We just want to be happy. Je sais des choses. I know things. Parle quand on te parle. Speak when you are spoken to. Ne parle pas comme ça. Don't talk like that. Le passé est le passé. The past is the past. Tu dois croire en toi. You have to believe in yourself. Ce livre est livré nouveau. This book's new. Elle l'a fait à nouveau. She did it again. Cela va prendre quelques jours. It's going to take a few days. Nous sommes tous deux amis. We both are friends. Je suis sûr. I am sure. Je vais te rendre heureux. I'll make you happy. Même ma mère le sait. Even my mom knows. Elle sait parler français. She can speak French. Ce travail m'a beaucoup demandé. that job took a lot out of me." _elle lui ont demandé_ they asked him. _je dois partir tôt demain_ i must leave early tomorrow. _mon ami parle beaucoup_ my friend is a talkative person. Ce fut difficile à croire. It was hard to believe. Sois là cette nuit. Be there tonight. Tu as entendu ta mère. You hurt your mother. Soyez un homme. Be a man. Elles ont raison, bien sûr. They're right, of course. La fille ne dit rien. The girl did not say anything. Ma fille est trois ans. My daughter is three years old. Je dois rester un moment. I have to stay for a while. Je me sens seule. I'm lonely. Va dans ta chambre, maintenant. Go to your room now. Tu pourrais bien avoir raison. You could well be right. Nous pouvons faire beaucoup mieux. We can do a lot better. Elle avait peur du chien. She was afraid of the dog. Tu me fais peur. You scare me. Il parle anglais et français. He speaks English and French. Faites simplement votre travail. Just do your job. Faites comme chez vous. Please make yourself at home. Personne ne sait son nom. No one knows his name. Je dois aller quelque part. I have some place to go. Tu as fait ta part. You did your part. Comment se porte ta femme? How's your wife? C'est livré le leur. That book is theirs. Personne ne sait leur nom. No one knows their name. Où sont vos parents maintenant? Where are your parents now? Leur travail me semble bon. Their work seems good to me. Cela arrive beaucoup trop souvent. That's happening far too often. Je te prie de partir. Please leave. Prie pour nous toutes. Pray for all of us. Combien de gens étaient là? How many people were there? Elle veut lire un livre. She wants to read a book. Je te crois toujours. I always believe you. Demain sera un autre jour. Tomorrow will be another day. Le plus sera le mieux. The more, the better. Je te demande de rester. I'm asking you to stay. On se demande pourquoi. We wonder why. Vous faites trop la fête. You party too much. Je veux les acheter toutes. I want to buy them all. Je te dois un déjeuner. I owe you a lunch. Il était petit mais fort. He was small but strong. Parle un peu plus fort. Speak a little louder. Je le savais déjà. I knew that already. Tu penses à quoi? What are you thinking about? Trouver un travail est difficile. Finding work is difficult. Nous avons été longtemps amis. We've been friends for a long time. Je dois partir demain matin. I must leave tomorrow morning. Vos amis sont en retard. Your friends are late. Elles ont perdu leur chien. They lost their dog. Laisse le chien partir. Let the dog go. Ne me laisse pas là. Don't leave me here. Tout est dans la pièce. It's all in the room. Tu es arrivé trop tôt. Yves arrive too early. quelque chose lui est arrivé. something's happened to it. nous avons trouvé quelque chose. we found something. cette question est très difficile. that's a very difficult question. Dis simplement non. Just say no. Vous voulez cela, non? You do want that, don't you? Il est nouveau en ville. He's new in town. Je veux jouer, moi aussi. I want to play too. Va aider ton frère. Go and help your brother. La femme lit. The woman is reading. Tu devrais rester au lit. You should stay in bed. Vous étiez en retard hier. You were late yesterday. Je voudrais rester plus longtemps. I'd like to stay longer. Je connais bien son frère. I know his brother well. Nous avons acheté une maison. We bought a house. Viens en ville avec nous. Come downtown with us je viens de le trouver. i just found it. tu viens tôt. you're early. aucun ne me parle. nobody speaks to me. à plus tard. catch you later. je suis arrivé trop tard. I arrived too late. Je suis allé là hier. I went there yesterday. Ceci pourrait prendre un moment. This could take a while. Ça pourrait être difficile. That might be difficult. Il pourrait ne pas venir. He may not come. Il veut une nouvelle voiture. He wants a new car. Même un enfant sait cela. Even a child knows that. Dites simplement non. Just say no. Ne dites cela à personne. Don't tell anyone this. Désolé, je dois partir. Sorry, I've got to go. Pensez à votre frère. Think of your brother. Je connais bien ce sujet. I am familiar with this subject. Je voudrais faire davantage. I'd like to do more. Tu devrais en savoir davantage. You should know better than that. Entre dans la pièce. Come into the room. Il est presque 3 heures. It's nearly 3 o'clock. Je te crois presque. I almost believe you. Personne ne veut travailler. Nobody wants to work. Tu as peur, pas vrai You're afraid, aren't you? Je viens ici chaque jour. I come here every day. Dis toujours la vérité. Always tell the truth. En vérité, tu as raison. Actually, you're right. Je passe avant toi. I outrank you. Passe du bon temps. Have a nice time. Quelque chose se passe ici. Something is going on here. Où se trouve ta fille? Where's your daughter? Je suis moins heureux maintenant. I'm not as happy now. Vous devriez rester au lit. You should stay in bed. Nous sommes frères et sœurs. We're brother and sister. Cette lettre est pour toi. This letter is for you. Je voudrais être mort. I wish I was dead. Sa sœur semble jeune. His sister looks young. Tu es encore jeune. You're still green. Elle ignore encore la vérité. She doesn't yet know the truth. Où va ce bureau? Where does this desk go? Viens à mon bureau. Come to my office. Il doit rester au lit. He has to stay in bed. Un homme doit travailler. A man must work. Cette pièce est assez grande. This room is large enough. Quelle grande maison vous avez? What a big house you have! Elle adore ses enfants. She loves her children. Passe une bonne journée. Have a nice day. Vous savez où me trouver. You know where to find me. Elle veut sortir avec lui. She wants to go out with him. Il lui téléphone chaque soir. He calls her up every night. On vous demande au téléphone. You're wanted on the telephone. Où est mon téléphone? Where's my phone? Ce café est bien fort. This coffee is quite strong. On adore lire des livres. We enjoy reading books. Il m'a pris la main. He caught hold of my hand. Veuillez lire ce livre. Please read that book. Il voulait acheter un livre. He wanted to buy a book. Ça voulait dire non. That meant no. Il est presque 10 heures. It is almost 10 o'clock. Je me sens tellement perdue. I just feel so lost. Ma chambre est trop petite. My bedroom is too small. Où va ce bus? Where does that bus go? Quelle est leur histoire? What's their story? je peux attendre quelques heures. i can wait a few hours. je veux en entendre davantage. i want to hear more. où sont les trois autres? where are the other three? sa famille est très grande. her family is very large. Un accord est un accord. A deal is a deal. Je ne fais que passer. I just dropped in. Tout semble se passer bien. Everything appears to be going well. Qui t'a donné ça? Who gave you this? Il reste avec sa famille. He is staying with his relatives. Où est le reste? Where's the rest? Allez aider votre frère. Go and help your brother. Allez au lit. Get to bed. Nous devons partir tôt. We must leave early. Tu vas mieux maintenant? Are you better now? Cette partie est tellement difficile. This game is so hard. Je suis parti. I left. Allons le dire aux autres. Let's go tell the others. Nous allons beaucoup mieux. We're getting a lot better. Il semble qu'elle soit heureuse. It seems that she's happy. Bien sûr, je comprends. Of course, I understand. Tu ne comprends pas, si? You don't get it, do you? Maintenant laissez-nous. Now leave us. Il sera occupé demain. He will be busy tomorrow. Je me marie cette année. I'm getting married this year. Je devrais apprendre le français. I should learn French. Il a trois fils. He has three children. Je connais ton fils. I know your son. Tu es venu trop tard. You came too late. Il est venu chez moi. He called at my house. Ce sera alors trop tard. It'll be too late then. Elle veut vivre en ville. She wants to live in the city. Je fais ça pour vivre. I do this for a living. Tu serais mieux sans moi. You'd be better off without me. Vous devez attendre un moment. You must wait a while. Nous devrions attendre un peu. We should wait a little. Il a en son pouvoir. He is her under his thumb. Je savais pouvoir le faire. I knew I could do it. Mon travail est presque fini. My work is almost finished. Ce garçon est mon fils. This boy is my son. Il avait pris une photo. He took a picture. He lost his eyesight. I saw you yesterday. I He lost his eyesight. Je vous ai vu hier. I saw you yesterday. Je connais ces personnes. I know these people. Il a tout mangé. He ate all of it. Veuillez écrire votre nom ici. Please write your name here. Je les déteste toutes. I dislike all of them. Tout est dur. Everything is tough. Tu devrais travailler dur. You should work hard. Vous devez essayer à nouveau. You have to try again. Le temps est mauvais, non? The weather's bad, isn't it? Elle doit être en colère. She must be angry. Elle lui écrit chaque semaine. She writes to him every week. Je ne vois aucun problème. I don't see any problem. Cela devrait me rendre heureuse. That should make you happy. Qui est ta petite amie? Who's your girlfriend? Je ferais mieux de sortir. I would rather go out. Ils étaient tellement heureux ensemble. They were so happy together. Nous devrions davantage sortir ensemble. We should hang out more. Il fut mon meilleur ami. He was my best friend. Je suis meilleur que toi. I am better than you. Mes parents sont vieux. My parents are old. Je devrais demander, non? I should ask, shouldn't I? Ça serait une bonne idée. That would be a good idea. Tout le monde les apprécie. Everyone likes them. Je veux comprendre ceci. I want to figure this out. Nous avons pu nous comprendre. We could understand each other. Mon frère parle très vite. My brother speaks very fast. Tout se passe trop vite. Everything's happening too quickly. Nous devons arrêter les autres. We must stop the others. Vous devriez arrêter de jouer. You should quit gambling. Je comprends à peu près. I sort of understand. Trouver son bureau fut facile. Finding his office was easy. Bonne chance à vous deux. Good luck to both of you. Je veux une autre chance. I want another chance. Prends ma main. Take my hand. Prends du café. Have some coffee. Prends celui que tu veux. Take whichever one you want. Cela pourrait prendre quelques mois. That could take a few months. Veuillez me donner la lettre. Please give me the letter. Le déjeuner est presque prêt. Dinner is almost ready. Merci beaucoup pour ta lettre. Thank you very much for your letter. Cela importe beaucoup. It matters a lot. Ma fille est souvent malade. My daughter is often sick. Son nom fut oublié. His name was forgotten. Je dis seulement la vérité. I'm only telling the truth. Je vais à cet endroit. I am going to that place. Quel âge est ton frère? How old is your brother? Faire cela serait une erreur. Doing that would be a mistake. Ils ont eu une réunion. They had a meeting. Ce café est froid. This coffee is cold. Ce sont nos livres. Those are our books. Tu es en premier. You're first. Vous pourriez arrêter ceci. You could stop this. Il ne reste aucune nourriture. There's no food left. Quelle belle journée. What a lovely day it is. En aucune manière. No way. Il m'a laissé partir. He let me go. Je serai occupé demain. I'll be busy tomorrow. Leur réponse est non. Their answer is no. Je vais nager chaque jour. I'm going to swim every day. Je donne mes vieux livres. I'm giving my old books away. Il travaille toujours dur. He always works hard. Ça devrait être ainsi. It should be like this. Je voulais seulement vous regarder. I just wanted to look at you. Je vous envie beaucoup. I envy you so much. Je suppose que ça passe. I guess that's okay. Où se trouve le chat? Where is the cat? Allons voir un film. Let's go to a movie. Ce film est pour enfants. That film is for children. La maison a pris feu. The house caught fire. Apprendre ou à laisser. Take it or leave it. Vous devez me laisser aider. You have to let me help. Le jeune homme veut boire. The young guy wants to drink. Tu dois arrêter de boire. You must quit drinking. je me sens comme fatigué. i feel kind of tired. tu étais fatigué hier soir? were you tired last night? ne dites mot à personne. don't say a word to anyone. je sais exactement quoi faire. I know exactly what to do. Ne lui fais pas confiance. Don't believe him. On peut leur faire confiance. You can trust them. Allons par ce chemin. Let's go this way. Elle porte une belle montre. She is wearing a nice watch. Montre le chemin. Lead the way. Le dernier est le meilleur. The last one is the best. La maison est plus loin. The house is farther on. Reste loin de ça. Stay away from that. Tu es allé trop loin. You've gone too far. Quel coup de chance. What a stroke of luck. Je voudrais aller au Japon. I would like to go to Japan. Pourquoi elle fait la tête? Why is she sulking? Notre meilleur ami est médecin. Our best friend is a doctor. Vos amis sont en bas. Your friends are downstairs. Nous avons déjà essayé cela. We already tried that. Je vais voir la police. I'm going to the police. La chance est contre moi. Luck is against me. Je lui ai parlé hier. I spoke to him yesterday. Nous avons parlé au téléphone. We talked on the telephone. Il est mieux que quiconque. He is better than anyone else. Ne le dites à quiconque. Don't tell anybody. On adore notre pays. We love our country. Le boulot était vraiment dur. The job was really tough. Si seulement je pouvais. I wish I could. Le déjeuner sera bientôt prêt. Lunch will be ready soon. Je peux mettre la table. May I set the table? Je serai ton professeur. I'll be your teacher. Je demande juste quelques minutes. A few minutes is all I ask. Elle est partie en voyage. She's gone on a trip. Je voyage souvent. I often travel. Elle vit dans le pays. She lives in the country. Personne ne me vit. No one saw me. Elles ont tant perdu. They've lost so much. Il vient à midi. He comes at noon. Elle vient juste de partir. She just left. Je suis tellement désolée. I'm so sorry. Le dîner sera bientôt prêt. Dinner will be ready soon. Nous avons fini de dîner. We have finished lunch. Nous avons parlé de musique. We talked about music. Elle va apprendre à conduire. She's going to learn how to drive. Quel est ton meilleur prix? What's your best price? Je devrais probablement écrire ceci. I should probably be writing this down. Ce fut fort beau. It was very beautiful. Je dois me faire beau. I have to dress up. Nous devrions aller dormir. We should go to sleep. Il m'a appris à conduire. He taught me how to drive. Nous avons aussi beaucoup appris. We've learned a lot too. Nous devrions étudier ensemble. We should study together. Faites attention avec cette chose. Be careful with that thing. Merci pour votre attention. Thank you for your interest. Il aurait dû travailler davantage. He should have worked harder. Cela aurait du sens. That would make sense. Nous avons été ici auparavant. We've been here before. Quelque chose a eu lieu. Something happened. Vous êtes en lieu sûr. You are in a safe place. Où se trouve la gare? Where's the train station? Il compte vite. He counts fast. Je compte sur ton aide. I expect your help. Je fais tout mon possible. I'm doing everything I can. Viens aussi vite que possible. Come as soon as possible. Nous devrions boire un verre. We should have a drink. Ceci est mon vieux vélo. This is my old bike. Je dois faire du vélo. I must ride a bicycle. Laissez ce mot de côté. Leave out this word. Nous sommes du même côté. We're on the same side. Fais mieux la prochaine fois. Do a better job next time. Ça sera bientôt parti. Sin it will be gone. Je suis parti au matin. I left in the morning. Ils peuvent tous conduire. They all can drive. Ne compte pas dessus. Don't count on it. Prends celui que tu aimes. Take whichever one you like. Il est plutôt beau. He's kind of handsome. Je connais ton genre. I know your type. Il joue avec mon chat. He's playing with my cat. Personne ne joue. No one's gambling. Je gusse le vin. I drank the wine. Nous étions seulement amis. We were just friends. Regarde ce beau garçon. Look at that good looking boy. La famille regarde un film. The family is watching a movie together. En quoi ça vous regarde? How does this concern you? Ce sont les leurs. This is theirs. Nous avons de la place. We have room. Tout est en place. Everything is set. Elles ont de la visite. They have company. Personne ne visite mon pays. Nobody visits my country. Nos enfants sont gros. Our kids are fat. Regarde ce gros chien. Look at that big dog. Cela ne pourrait pas arriver. That couldn't happen. Le bus va bientôt arriver. The bus will come soon. On espère arriver à temps. We hope to arrive on time. Vous pouvez y arriver. you can make it. _veuillez attendre pendant cinq minutes._ _please wait for five minutes._ _regarde par la fenêtre._ _look out of the window._ _nous avons fait une affaire._ _we made a bargain. Il semble penser cela. He seems to think so. Le chien doit avoir faim. The dog must be hungry. Merci de venir me rencontrer. Thank you for coming to meet me. Quel est le plan, maintenant? What's the plan now? Personne ne pouvait nous voir. No one could see us. Elle l'a rencontré ce matin. She met him this morning. Elle sait fort bien chanter. She can sing very well. Il adore chanter. He loves singing. On nous fait chanter. We are being blackmailed. Aime ton prochain. Love your neighbors. Je pourrais être le prochain. I could be next. Vous allez payer pour ceci. You're going to pay for this. Faites vos devoirs maintenant. Do your homework now. Je fais le bon choix. I'm doing the right thing. Nous devons faire un choix. We have to make a choice. Elle m'a surpris. She surprised me. Nous étions vraiment surpris. We were truly surprised. Vous pouvez utiliser mon vélo. You can use my bicycle. Il fait froid ici dehors. It's cold out here. Le chien doit rester dehors. The dog must stay outside. Il fait plutôt chaud. It's pretty hot. On l'a vu aux nouvelles. We saw it on the news. Nous devrions appeler la police. We should call the police. Tu serais en sécurité là. You would be safe there. Je me rappelle cet endroit. I remember this place. Elle lui rappelle sa mère. She reminds him of his mother. Lire des livres est important. Reading books is important. Mon frère est sans emploi. My brother is out of work. Trouve un emploi. Get a job. Je serai occupé demain. I'll be busy tomorrow. Faites vos devoirs immédiatement. Do your homework right away. il est immédiatement parti. il left immediately. nous devons immédiatement arrêter. we have to stop now. allons nous chercher un verre. let's get a drink. je viens te chercher. i'm coming to pick you up. Eux peuvent partir demain. They may leave tomorrow. Le chien est à eux. The dog is theirs. Je ne peux pas fumer. I can't smoke. Vous devriez arrêter de fumer. You should quit smoking. Rien ne se produit. Nothing is happening. Cette table est propre. This table is clean. Faites votre propre travail. Do your own job. Elle a décidé de partir. She decided to go. Merci de répondre au téléphone. Please answer the phone. Nous allons répondre. We'll respond. Vous devriez arrêter de fumer. You should quit smoking. Rien ne se produit. Nothing is happening. Cette table est propre. This table is clean. Faites votre propre travail. Do your own job. Elle a décidé de partir. She decided to go. Merci de répondre au téléphone. Please answer the phone. Nous allons répondre. We'll respond. Ils étaient trop nombreux. There were too many of them. Elle semble avoir été riche. She appears to have been rich. boite un verre avec moi. Have a drink with me. Je connais la chanson. I know the drill. Tu peux chanter une chanson. You can sing a song. Je mis immédiatement mes chaussures. I put on my shoes at once. Il a de gros problèmes. He has big problems. Elle fit du bon boulot. She did a good job. La bonne fit mon lit. The maid made my bed. Il me fit attendre. He kept me waiting. Le boulot est presque terminé. The job is almost finished. Il semble assez content. He seems quite happy. Je serai content de venir. I'll be glad to come. Notre équipe a perdu. Our team lost. Elle a appelé au téléphone. She called him on the phone. Attends ta sœur. Wait for your sister. Attends un peu. Hold on a minute. Ayez confiance en vous. Have confidence in yourself. Je vis ici depuis longtemps. I have been living here for a long time. Je fais marcher cet endroit. I run this place. Ne me faites pas marcher. Don't kid me. Comment vont vos parents? How are your parents? Nous ne pouvons pas perdre. We can't lose. Je me souviens du mot. I remember the word. Je connais ces étudiants. I know these students. Essaie de comprendre ceci. Try to understand this. Cours aussi vite que possible. Run as fast as you can. On parle anglais en cours. We speak English in class. Cet arbre à quel âge? How old is this tree? Ne parle pas en classe. Don't talk in the classroom. Prenez place, je vous prie. Take your seats, please. Prenez un autre verre. Have another drink. Nous allons avoir un bébé. We are going to have a baby. Arrête de chanter cette chanson. Stop singing that song. Ils ont commencé cette année. They began this year. Nous voulons plus de nourriture. We want more food. Il peut à peine marcher. He can hardly walk. Merci pour ta peine. Thank you for your trouble. Dites au revoir. Say goodbye. Je veux revoir ce film. I want to see that movie again. Je bois souvent du thé. I often drink tea. Il savait parler français. He could speak French. Personne ne savait quoi faire. No one knew what to do. Maintenant, mange ton dîner. Now eat your supper. Ne regarde pas derrière toi. Don't look back. On m'a laissé derrière. I was left behind. Je mange très rapidement. I eat very quickly. Nous devons travailler plus rapidement. We should work faster. Tout se passe tellement rapidement. It's all happening so fast. Nous pouvons discuter dehors. We can talk outside. Pas le temps de discuter. There's no time to argue. Jouer au tennis est facile. It is easy to play tennis. Ce sera notre secret. It'll be our secret. Prenez celui que vous aimez. Take whichever one you like. Où se trouve mon journal? Where is my newspaper? Dis celle que tu aimerais. Say what you would like. Premier numéro. Take a number. Mon frère regarde la télévision. My brother watches television. Appelle un médecin immédiatement. Call a doctor immediately. Je suis en bonne santé. I'm in good health. Faites attention sur la route. Pay attention on the road. comment devenir riche? how do you become rich? sois fier de toi. be proud of yourself. vous pouvez vous y fier. you can depend on it. elle a aimé ça. she liked it. Je veux simplement être aimé. I just want to be loved. Elles ont reçu le prix. They got the prize. Je voudrais bien reçu. I'd like a receipt, please. Je dispose de nombreux amis. I have a lot of friends. Je joue avec mes amis. I'm playing with my friends. Je laisse entrer le chat. I'll let the cat in. Vous pouvez entrer maintenant. You may enter now. Elle parle à peine japonais. She can hardly speak Japanese. Prenez la boîte. Get the box. Il était assis par terre. He was sitting on the floor. Reste assis, je te prie. Remain seated, please. Un homme a été blessé. One man was injured. il neige depuis deux jours. It has been snowing for two days. demain a lieu son anniversaire. tomorrow is her birthday. regarde, je vais te montrer. look, i'll show you. je ferai du thé. i'll make some tea. Nous sommes désormais amis. We're friends now. Il vit dans cette rue. He lives on the street. Dis laquelle tu voudrais. Say which one you would like. Faisons nos devoirs ensemble. Let's do the homework together. Nous faisons de notre mieux. We try our best. Elle m'a laissé tomber. She dumped me. Je veux laisser tomber. I want to quit. Ne laissez pas tomber. Don't give up. Le film était trop long. The movie was too long. Nous avons entendu un bruit. We heard a noise. Boîte au lait. Drink up your milk. Je peux comprendre ta langue. I can understand your language. Bois une bière avec moi. Have a beer with me. Il fait moins 30. It's 30 degrees below zero. Ma nouvelle voiture est rouge. My new car is red. Laisse-moi utiliser ton ordinateur. Let me use your computer. Il a voulu te rencontrer. He wanted to meet you. Prenez soin de votre santé. Take care of your health. Prenez une décision. Make a decision. Allez au magasin. Go to the store. Je voudrais poser deux questions. I would like to address two questions. Tu as probablement tort. You are probably wrong. Dites laquelle vous voudriez. Say which one you would like. Merci beaucoup pour ton cadeau. Thank you very much for your present. Un étranger m'a appelé hier. A stranger phoned me yesterday. Elle travaille pour un hôpital. She works for a hospital. Ne parlez pas en cours. Don't talk during class. Parlez un peu plus fort. Speak a little louder. Je vais garder la porte. I'll guard the door. Merci de garder ça secret. please keep this a secret. je suis en vacances. i'm on holiday. vous devriez prendre des vacances. you should take a vacation. elles veulent le meilleur. they want the best. Je viens seulement de rentrer. I've only just come back. Nous devrions rentrer chez nous. We should go home. Allons dans un restaurant japonais. Let's go to a Japanese restaurant. Sa nouvelle robe lui plaît. She's pleased with her new dress. Je me marie dimanche prochain. I'm getting married next Sunday. Regarde mon bras. Look at my arm. Il est certain de venir. He is sure to come. Mes bras me font mal. My arms are aching. Elles le font chaque semaine. They do it each week. Faisons un marché. Let's make a trade. Ils ont marché ensemble. They walk together. Je fais encore mon marché. I'm still shopping around. Le plan a bien marché. The plan has worked well. Faire cela serait stupide. Doing that would be stupid. Je me sens stupide. I feel silly. Ne lui prête pas attention. Don't pay attention to her. Votre chambre est prête maintenant. Your room is ready now. Le train est finalement arrivé. The train finally arrived. Dites lequel vous voudriez. Say which one you would like. Qui va payer pour ça? Who's going to pay for this? Tu aimes vraiment ça? Do you really like that? Où se trouve le parc? Where's the park? Vous devriez mettre des vêtements. You should put on some clothes. Il fait moins 6. It's six degrees below zero. Je ferai mon sac. I'll pack my bag. Merci de votre conseil. Thank you for your advice. Elles nous ont rendu visite. They visited us. Ta lettre m'a rendu heureux. Your letter made me happy. Prenez une carte. Take a card. Regarde ta carte. Look at your map. Allons à la plage. Let's go to the beach. Où se trouve la poste? Where is the post office? Post cette lettre. Mail this letter. On m'a arrêté. I got arrested. Père a arrêté de boire. Father stopped drinking. Cela ne sera pas nécessaire. That won't be necessary. Elles veulent la meilleure. They want the best. Mon idée était bien meilleure. My idea was much better. Il a marché devant moi. He walked ahead of me. Nous nous sommes assis devant. We sat in the front. Que vous rappelle ce chapeau? What does this hat remind you of? Allez chercher vos affaires. Get your gear. Les affaires sont les affaires. Business is business. Nous devons changer notre plan. We have to change our plan. Elles vont à la guerre. They're going to the war. Ce fut un film intéressant. It was an interesting movie. Tu me dois 30 dollars. You owe me 30 bucks. Il apprécie sa situation. He enjoys his position. Je comprends la situation. I understand the situation. Fumer est une mauvaise habitude. Smoking is a bad habit. Tu as la mauvaise personne. You've got the wrong person. La vieille femme est médecin. The old woman is a doctor. Cela faisait partie du plan. This was part of the plan. Elle te faisait confiance. She trusted you. Vous devez mourir de faim. You must be starving. Il faisait suffisamment jour. It was light enough. Cet examen est très facile. This exam is very easy. Parfois je vais, parfois non. Sometimes I go, sometimes I don't. Des années ont passé. Years passed. Je commence à devenir vieux. I'm getting old. Que la fête commence. Let's start the party. Je comprends complètement. I totally understand. Tu as complètement tort. You are completely wrong. Je vais chercher mon manteau. I'll get my coat. Je vois une lumière. I see a light. Le sac est plein. The bag is full. Nous avons plein de vin. We have plenty of wine. Attends juste un instant. Wait just a moment. Nous voulons résoudre ce problème. We want to solve that problem. Elles étaient trop nombreuses. There were too many of them. Je visse mon rêve. I'm living my dream. Je ne fais que commencer. I'm just beginning. Nous devons commencer immédiatement. We have to start at once. Vous pouvez utiliser mon dictionnaire. You can use my dictionary. La fête a lieu lundi. The party's on Monday. Il est vraiment sans cœur. He is so heartless. Tu vis dans mon cœur. You live in my heart. Je préfère conduire à marcher. I prefer riding to walking. Je voudrais dire quelques mots. I'd like to say a few words. Qui prend soin de toi? Who takes care of you? ça prend du temps It's time consuming Je commence dès ce soir I am starting this evening Il garde secret son âge He keeps his age a secret Il regarde parfois la télé He sometimes watches TV. Vous devriez écouter son conseil. You should listen to his advice. Veuillez ouvrir la fenêtre. Please open the window. Va tout droit. Go straight ahead. Elle m'a donné plusieurs livres. She gave me several books. Je me rappelle ce type. I remember that guy. Quel est ton type exactement? What is your type exactly? Il me rend parfois visite. He sometimes comes to see me. Le Laine au renfort. Milk makes us strong. Vous seriez en sécurité là. You would be safe there. Garde un œil dessus. Keep an eye on it. Au plaisir de vous revoir. See you around. Je prends plaisir à travailler. I enjoy working. Le plaisir est pour moi. The pleasure is mine. Je suis capable de parler. I'm able to speak. Tout ceci a désormais changé. All this has now changed. Je suis un homme changé. I'm a changed man. Tout a une fin. Everything has a purpose. Ne me parlez pas. Don't talk to me. Il fit rire les enfants. He made the children laugh. Personne ne connait ton secret. Nobody knows your secret. Je dois gagner ma vie. I have to earn a living. Notre équipe peut gagner. Our team can win. La cuisine était propre. The kitchen was clean. Ma mère cuisine bien. My mother cooks well. Vous aviez tort après tout. You were wrong after all. Garde dimanche prochain de libre. Keep next Sunday free. Je suis libre demain. I am off duty tomorrow. Il demanda une bière. He asked for a beer. Vous me rendez malade. You make me sick. Laisse la pièce telle quelle. Leave the room as it is. Voici mon numéro de compte. Here's my account number. Voici ta chance. This is your chance. Venez nous rendre visite. Do come and visit us. Vous feriez mieux de venir. You'd better come. Nous sommes des hommes. We are men. Regarde toutes ces fleurs. Look at all these flowers. Je dois faire mes excuses. I must apologize. Le plan était un succès. The plan was a success. Ne nous oublie pas. Don't forget about us. Rencontrer des filles est difficile. Meeting girls is hard. Ils ont deux filles. They have two daughters. Mais une belle robe. Put on a nice dress. Nous voulons tout ton retour. We all want you back. Prenez une part de gâteau. Help yourself to a piece of cake. Elle est mon premier amour. She's my first love. Tu es allé trop loin. You've gone too far. Je vais étudier ton rapport. I'll study your report. Vous serez toujours là. You will always be there. Ce fut une grande surprise. That was a big surprise. Je me suis surprise. I surprised myself. Noël arrive bientôt. Christmas is soon. Laquelle est ta tasse Which cup is yours Tu as ma tasse. You have my mug. Ça semble étrange, pas vrai It feels weird, doesn't it Quel type étrange What a strange guy. Je serai à la bibliothèque. I'll be in the library. Il va bientôt finir. He'll be done soon. Nous devrions finir ceci. We should finish this. Il est gentil. He is kind. Votre père semble très gentil. Your father seems very nice. Conduire trop vite est dangereux. Driving too fast is dangerous. Cela vaut seulement 3 dollars. It's only worth 3 dollars. Mieux vaut tard que jamais. Better late than never. Elle se mit à chanter. She began to sing. Je connais son adresse. I know her address. Ce cas est important. This case is important. Je travaille dur au jardin. I work hard in the garden. Je vis sur un bateau. I live on a boat. Tu es venu trop tard. You came too late. Cette décision a payé. This decision paid off. Quels sont vos devoirs? What are your duties? Ils ont terminé leur repas. They finished their meal. Le repas est prêt. Lunch is ready. Allons nager à la rivière. Let's go and swim in the river. Nous étions amoureux. We were in love. Je vais le réparer maintenant. I'll fix it now. Veuillez réparer ceci. Please repair this. Faites votre devoir. Do your duty. Nous allons devoir travailler ensemble. We're going to have to work together. Aie confiance en toi. Have confidence in yourself. Je rappelle tout de suite. I'll call back soon. Je vous entends fort bien. I can hear you loud and clear. Garde ces règles en tête. Keep these rules in mind. Il a un appareil photo. He has a camera. Que fait cet appareil? What does this device do? Elle voyage autour du monde. She is traveling around the world. Je veux quitter mon boulot. I wanna quit my job. Veuillez quitter cette pièce. Please leave this room. Nous avons regardé un film. We watched a movie. Elle l'a regardé avec colère. She looked at him angrily. Je ne compris pas. I didn't understand. Vous avez compris, désormais? Have you got it yet? Il joue souvent du piano. He often plays piano. Nous faisons une grosse erreur. We're making a big mistake. Elle a rencontré son oncle. She met her uncle. Comment va le projet? How's the project going? Tu as compris de travers. You've misunderstood. Vous auriez pu être heureuse. You could have been happy. Vous aimez le poisson? Do you like fish? On m'a volé mon sac. My bag was stolen. Elle prend du poids. She is gaining weight. Les chiens peuvent nager. Dogs can swim. Il habite à côté. He lives next door to us. Un étudiant fut arrêté. One student was arrested. Chaque minute compte. Every minute counts. Il prit une mauvaise décision. He made a bad decision. Elle prit du poids. She gained weight. Cela prit toute la journée. It took all day. Je connais ces femmes. I know those women. Elle lui donna un cadeau. She gave them a present. Je vais expliquer les règles. I'll explain the rules. Soyez désormais plus prudent. Be more careful from now on. Faites une liste. Make a list. Nous en sommes tous certains. We're all sure of that. Nous faisons parfois des erreurs. We sometimes make mistakes. Il a dormi une heure. He slept an hour. Je veux tenir ta main. I want to hold your hand. Veuillez le tenir secret. Please keep this a secret. Je suis resté. I stayed. Nous sommes allés à pied. We went on foot. Veuillez attendre votre tour. Wait for your turn, please. je vais bien et vous? i'm fine. how about you? reste hors de ma vue. keep out of sight. ça ne marche pas. that won't work. marche le plus vite possible. Walk as fast as possible. Mon ami m'a aidé. My friend helped me. Vous devriez vous lever tôt. You should get up early. Le magasin est ouvert. The store is open. Nous voulons vos conseils. We want your advice. Cet ordinateur ne fonctionne pas. This computer doesn't work. Je suis tombé amoureux. I fell in love. Je suis devenu riche. I became rich. Il est devenu vieux. He grew old. Ce chien court très vite. That dog runs very fast. La police me court après. The police are after me. Il nous faut du sommeil. We need sleep. Je commence à avoir sommeil. I'm getting sleepy. Il viendra probablement bientôt. Probably he will come soon. Nous sommes hors de danger. We are free from danger je fus mal compris. i've been misunderstood. le tableau est presque terminé. the painting is all but finished. quel beau tableau what a beautiful scene regarde ce tableau look at that picture. Il a bu une bière. He drank a beer. Il sera un bon mari. He will be a good husband. Tout est devenu noir. Everything went black. Ils furent mis en prison. They were put in prison. Arrêtez de chanter cette chanson. Stop singing that song. Il aime voyager par avion. He likes air travel. Je vais devoir te rappeler. I'll have to call you back. Nous avions tous de faim. We were both hungry. Essayez ce gâteau. Try this cake. Je ne vous attendais pas. I didn't expect you. Il pourrait pleuvoir vers midi. It may rain around noon. Tu seras en sécurité. You'll be safe. Elle pourrait connaître la réponse. She might know the answer. Ça rend tout plus simple. That makes everything simpler. La réponse est plutôt simple. The answer is pretty simple. Il a perdu la face. He lost face. Ils avaient un devoir. They had a duty. Vos parents avaient raison. Your parents were right. Elle me rend fou. She drives me crazy. Il est devenu fou. He has gone mad. Tu es fou. You're demented. Je vais prendre quelques photos. I'm going to take some pictures. Elle allait sortir. She was about to go out. Vous êtes plutôt bon. You're pretty good. Mets tes lunettes. Put your glasses on. Je veux du papier. I want some paper. Sois sérieux, je te prie. Please be serious. Il m'a conseillé ce dictionnaire. Il m'a recommandé ce dictionnaire. Tu t'es cassé le bras. Tu t'es cassé le bras. Ce fut une bonne expérience. une bonne expérience. Il m'a invité chez lui. He invited me to his house. Ça aurait pu être pire. It could have been worse. Il étudie dur. He studies very hard. Il adore les animaux. He loves animals. Je suis fatigué des devoirs. I am tired of homework. Il fera très chaud demain. It'll be very hot tomorrow. Je voulais juste aller courir. I just wanted to go jogging. Venez courir avec moi. Come run with me. Nous faisons de bonnes affaires. We do very good business. Ça pourrait être une faute. This could be a mistake. La radio ne fonctionne pas. The radio doesn't work. Je veux connaître ton opinion. I want to know your opinion. Elle l'a regardé danser. She watched him dance. Je suis fatiguée de danser. I'm tired of dancing. Rencontrer des garçons est difficile. Meeting boys is hard. Vous auriez dû la fermer. You should have kept your mouth shut. Veuillez vous asseoir une minute. Please sit down for a minute. Regardez où vous allez. Watch where you're going. Regardez tout le tableau noir. look at the blackboard everyone vous devriez présenter vos excuses you should apologize notre mariage a pris fin our marriage is over il manque de confiance he lacks confidence Une boîte manque toujours. One box is still missing. Il sera vraiment satisfait. He will be really pleased. Prenez un parapluie avec vous. Take your umbrella with you. Restez hors de ma vue. Keep out of sight restez assis je vous prie remain seated please restez dans cette pièce stay in this room je suis enseignant pas étudiant i'm a teacher not a student jouer au tennis est amusant Playing tennis is fun. Quel homme amusant. What a funny man. Tu aimes les chats, non? You like cats, don't you? Je te donne une occasion. I'm giving you an opportunity. Elle parle également français. She also speaks French. Je bois également du thé. I drink tea too. Je vais devenir avocat. I'm going to be a lawyer. Tu vis ici? Do you live here? Je me suis senti fort. I felt strong. Cela signifie probablement la guerre. This probably means war. Je comprends ton souci. I understand your concern. Nous nous faisons du souci. We're worried. Je suis sortie en vélo. I went out by bicycle. Le ciel le sait pourquoi. Heaven knows why. Vous devriez écrire un roman. You should write a novel. Je veux faire bonne impression. I want to make a good impression. Merci, mon cher. Thank you, my dear. Un piano est cher. A piano is expensive. Vous étiez si jeune alors. You were so young then. Certains animaux vivent la nuit. Some animals are active at night. Elles vivent en bas. They live downstairs. Il doit suivre mes conseils. He needs to follow my advice. Nous devons suivre les règles. Nous devons suivre les règles. Parlez à mon patron. Talk to my boss. Nous avons travaillé ensemble. We together. Elle était contente du cadeau. She was pleased with the gift. Elle nous donna un présent. She gave us a present. Je serai présent. I'll attend. La douleur est finalement partie. The pain finally went away. Tu me rends malade. You make me sick. Je mange beaucoup de viande. I eat a lot of meat. On t'a demandé ton avis Who asked for your opinion anyway Ce serait vraiment drôle. That would be really funny.